10 conseils à suivre pour atteindre l'équilibre travail-vie personnelle. 1. Déterminez vos priorités. Commencez votre journée de travail en fixant vos objectifs de la journée par ordre de priorité. 2. Ne faites qu'une chose à la fois. Ne faire qu'une seule tâche à la fois vous permet de la terminer plus rapidement avec moins d'erreurs et vous permet de disposer du temps et de la concentration supplémentaire pour vous engager plus à fond dans vos autres objectifs et priorités. 3. Sachez où va votre temps. Demandez-vous à quoi vous passez la majeure partie de votre temps. Combien de temps passez-vous à faire les choses qui vous tiennent le plus à cœur? Éliminez certaines activités ou déléguez-les dans la mesure du possible si elles ne correspondent pas à ce qui compte le plus pour vous. 4. Protégez le temps que vous prenez pour vous-même. On ne reporte un rendez-vous d'affaires qu'en cas de force majeure. Faites de même pour vos rendez-vous personnels. 5. Examinez vos habitudes quotidiennes et votre mode de vie en général. En adoptant un mode de vie sain, vous maximisez vos efforts en vue d'atteindre votre équilibre de travail-vie personnelle. 6. Fixez-vous des limites. Éteignez votre cellulaire et votre ordinateur portable pendant les repas familiaux et demandez à vos proches de ne pas vous appeler lorsque vous êtes au travail, sauf en cas d'urgence. 7. Demandez de l'aide et apprenez à dire non. Évitez d'accepter plus de travail que vous n'êtes capable d'en faire. 8. Adoptez un mode de vie actif. L'exercice atténue le stress, éclaircit les idées, améliore l'humeur et redonne de l'énergie, ce qui, au bout du compte, vous rend plus productif. 9. Trouvez-vous un mentor. Connaissez-vous une personne que vous admirez et dont vous aimeriez imiter la carrière ou le style de vie? Demandez-lui conseil au sujet de votre cheminement de carrière ou d'études. 10. Évaluez régulièrement votre équilibre travail-vie personnelle. Déterminez ce que vous désirez réaliser au cours des mois à venir et modifiez votre plan aux besoins pour y parvenir.